puisque ça fait plus de 8 ans que on devait organiser ce forum pour créer un conseil représentatif de la diaspora guinéenne, comme ça existe au Mali, comme ça existe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Niger. Et ça a eu du mal à naître chez nous. Et je suis content de remarquer que quasiment tous les pays où vit une forte communauté guinéenne sont représentés. Je ne vois quelqu'un qui vient de l'Australie, quelqu'un qui vient d'Angola, et les pays d'Europe, les pays de la Méditerranée et tout. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ce qui est important aussi, c'est les recommandations qu'ils vont faire. En ce qui nous concerne, c'est les Guinéens privés de liberté. Les Guinéens qui sont en prison pour des infractions commises à l'étranger, voir comment on peut faire rapatrier certains pour qu'ils purgent leur peine en Guinée, ou comment on peut atténuer leur souffrance dans le pays où ils sont. Parce qu'il faut tenir compte aussi de la notion de liberté. Un Guinéen qui n'a pas envie de rentrer dans son pays, il faut l'aider pour qu'il vive mieux là où il est. Et ça, c'est le ministre de la Justice qui le dit. Maintenant, ceux qui veulent rentrer, il faut les faciliter leur retour au pays. Dans tous les cas, le gouvernement est là à la disposition des Guinéens de l'étranger, aussi bien à l'étranger qu'en Guinée, pour les aider leur insertion au niveau de la Guinée et leur insertion au niveau du pays. Merci, monsieur.